Pierre Dufour, l'abbé Dufour. Pendant 40 ans, dans son diocèse de Savoie, cet homme a vécu avec un gros secret. Il était homosexuel. Lui, le curé charismatique, le curé des jeunes, le curé dynamique que ses paroissiens adoraient, aimait les hommes, les jeunes hommes. Et comme il était impensable qu'il vive sa sexualité au grand jour, il s'est transformé en prédateur, abusant de sa position de prêtre, de notable, d'homme de confiance, de référent. Il a forcé de jeunes garçons, toujours fragiles, toujours paumés, à avoir des relations sexuelles avec lui. Sur d'autres, il s'est contenté d'attouchements, de conversations salaces aussi. Certains étaient mineurs. Dans cette affaire comme dans d'autres, l'Église n'a pas voulu croire et la justice a mis du temps à ouvrir les yeux. Aiguebel, une bourgade de 5000 habitants à l'entrée de la vallée de la Maurienne. C'est ici qu'habite depuis plusieurs générations la famille Gilaudy. En 1991, Sébastien Gilaudy prépare son entrée en seconde au lycée de Saint-Jean de Maurienne, à 30 km de chez lui. Pour lui éviter l'internat, ses parents lui cherchent une chambre sur place. Ils en parlent au curé d'Aiguebel, l'abbé Dufour, un proche de la famille, qui lui trouve une chambre dans les locaux du collège privé de Saint-Jean. Début septembre, Pierre Dufour propose d'emmener Sébastien visiter sa chambre. Sébastien a 15 ans. C'était un peu une faveur, quoi, de pouvoir avoir une chambre là-haut au collège Saint-Joseph. Mais malheureusement, bon, c'est le prêtre qui s'est proposé pour emmener notre fils. Et ce jour-là, on l'a mis dans les gueules du loup, quoi. C'est carrément, enfin, on peut dire les choses comme ça. Hein. Car dès la rentrée, rien ne se passe comme prévu. Autrefois, Sébastien était un excellent élève, mais depuis qu'il est au lycée, ses résultats sont en chute libre. Le mercredi après-midi, il refuse de rester à Saint-Jean et préfère rentrer chez lui à Aiguebel. Et là, sa mère le retrouve parfois en larmes dans sa chambre. Il n'est plus le même. Lui qui ne buvait jamais de café, par exemple, insiste pour acheter une cafetière. Et à son père, il fait une autre demande surprenante. Quand Sébastien a pris possession de cette chambre à Saint-Jean-de-Maurienne, il nous avait demandé de mettre un verrou à sa porte. Mais s'il me l'a demandé, il y avait déjà un appel, peut-être au secours, que je n'ai pas compris, que je n'ai pas su entendre. Mais loin de me douter que c'était pour se protéger de Dufour. Sébastien plonge dans la dépression. Et le 10 décembre 91, 3 mois seulement après son entrée au lycée, il fait une tentative de suicide. C'était un mercredi, et c'est son frère qui l'a trouvé, donc il avait perdu connaissance, il était inanimé, et puis entouré, il avait toutes les plaquettes de médicaments, il avait pris un cocktail, il avait mélangé ce qu'il avait trouvé dans la pharmacie, quoi. Le lendemain matin, évidemment, tout Aiguebel était au courant, puisqu'à l'époque, on sonnait la sirène pour toute intervention, et donc tout le monde était au courant. Et le matin même, je me trouvais au bout d'une rue pour aller à la maison de la presse. Dufour est sorti de la rue de l'église et il m'a évité, il s'est esquivé, il est rentré dans un commerce. J'ai trouvé bizarre son comportement parce que d'habitude, normalement, il serait venu me voir pour savoir pourquoi et ce qui s'était passé. L'abbé Dufour ne prend pas de nouvelles de Sébastien, ni ce jour-là, ni les jours suivants. Et ses parents ne sont pas au bout de leur surprise. Dans la chambre de leur fils, ils font une étrange découverte. On a trouvé le Christ des crucifiés, enfin comment expliquer, sous son lit, arraché un Christ d'une croix, et le mettre sous le lit, le cacher en plus, c'était quelque chose de fort, quoi. Un geste d'autant plus fort que ce crucifix était un cadeau de l'abbé Dufour. Dès qu'on a pu le voir le lendemain à l'hôpital, surtout, je ne veux pas voir Pierre Dufour. On a compris qu'il y a eu quelque chose, quoi. Après 2 mois de mutisme, Sébastien explique enfin à ses parents pourquoi il a voulu mourir. Il raconte que tout a commencé le jour où l'abbé l'a emmené visiter sa chambre à Saint-Jean,
Dans la voiture, il a prononcé des paroles que Sébastien ne parvient pas à oublier. Durant le trajet, donc, Sébastien a entendu des horreurs donc, de la part du prêtre. Il lui a demandé s'il se masturbait. Et il lui a parlé donc de la masturbation, qu'il lui avait parlé d'une maman surmodane qui violait son fils. Et il lui a dit, de toute façon, toutes les mères, un jour ou l'autre, abusent de leur fils. Et ta mère, un jour ou l'autre, te violera, donc. Et puis, raconte Sébastien, le prêtre a posé sa main sur son genou. Et là, il a poussé un cri et menacé de sauter de la voiture. L'abbé a retiré sa main et il est resté silencieux jusqu'à leur arrivée à Saint-Jean. Pour lui, qui était quand même assez sensible, et ça l'a complètement déstabilisé, ça, on a peut-être du mal à... Il fallait, je veux dire, un autre jeune, peut-être avec un caractère plus fort et tout, aurait peut-être répondu au prêtre, mais lui, c'était pas possible. C'est pas possible, c'était pas le prêtre qui pouvait avoir cet attitude-là, parler comme ça, quoi. Sébastien est traumatisé, et par les paroles, et par le geste de l'abbé. Il redoute maintenant de croiser le prêtre au collège Saint-Joseph. Il a surtout peur que la nuit, Pierre Dufour rentre dans sa chambre. Alors pour rester éveillé, il boit des litres de café. Effaré par ce qu'ils viennent d'apprendre, les parents de Sébastien décident de réagir. En bon catholique, ils avertissent d'abord l'évêque, Monseigneur Feit. Une semaine après, il nous répond et donc il nous dit que c'est impossible, qu'il connaît Pierre Dufour depuis plus de 36 ans et donc que notre fils, si jamais, est-ce que votre fils aurait menti ou aurait... Et voilà, qu'il prie pour nous. Donc voilà la réponse de Monseigneur Feit. Madame Eladeuf, vous et votre mari, vous êtes paroissien de l'église d'Aiguebelle. Vous connaissiez donc bien l'abbé Pierre Dufour. Dès le début, vous sentez qu'il y a quelque chose de pas clair. Oui. Il y a d'autres jeunes, d'autres que Sébastien, qui, selon vous, à cette époque-là, ont été approchés par l'abbé Dufour. Un jeune est venu à notre maison et nous a dit « Est-ce que vous connaissez Dufour ?» On a dit « Oui ». Il dit parce que je faisais du stop en revenant de Saint-Jean-de-Maurienne et c'est Dufour qui m'a pris. Et tout de suite, il s'est présenté, il m'a demandé où j'habitais. Tout de suite, il m'a demandé si j'avais des relations avec les filles, si je me masturbais sur les filles. Et quand il a vu mon air un peu gêné, il m'a dit que je manquais de confiance en moi. Et donc, ce jeune, il l'avait invité à manger un soir. C'est à la suite de cette confidence de ce jeune que vous allez voir votre évêque, Mgr Perrier, c'est pour ça? Voilà. Et alors, quelle a été la réaction de l'évêque? Au premier, il était très choqué. Il se frappait la tête sur la table en disant « mais c'est pas possible, c'est ça pas possible ». Mais tout de suite, il s'est repris. Et il nous a dit, mais vous êtes sûr que ces jeunes ne fabulent pas? Il a su, évidemment, donc, Pierre Dufour, que c'est vous et votre mari qui aviez alerté la hiérarchie. Ben oui, parce que le lendemain, il est arrivé à la maison, j'étais toute seule, il était très en colère. Et il pointait son doigt sur moi en me disant, je sais ce qui se dit sur moi, mais moi, Sébastien, je le dis, j'ai rien à voir là-dedans. S'il dit ça, c'est uniquement parce qu'il a des problèmes avec sa mère. Mais moi, j'ai rien à voir avec cela. Et si j'entends encore quelque chose, je porterai plainte contre vous. Et il est reparti. Sébastien est maintenant sorti de l'hôpital. Il a quitté le lycée de Saint-Jean et poursuit sa seconde à Chambéry. Dans les rues d'Aiguebelle, sa famille et l'abbé Dufour s'évitent. Mais lorsque le prêtre croise l'adolescent, il le fixe du regard. Plus d'un an après sa première tentative de suicide, Sébastien semble toujours terrorisé. Il faisait des cauchemars terribles. Dans sa chambre, il avait un Vélux. Il voyait, bien souvent, il faisait des cauchemars. Il voyait le prêtre qui rentrait par le Vélux. La même année, Sébastien a perdu en 15 jours son grand-père et sa grand-mère. Donc,
il se rendait au cimetière pour aller sur la tombe de ses grands-parents. Si le prêtre l'apercevait, le prêtre le suivait dans le cimetière, donc. Donc, bien sûr, lui, il avait peur, quoi. Le 15 juin 93, un an et demi après sa première tentative, Sébastien tente une deuxième fois de se donner la mort. Ses parents décident alors de porter plainte contre l'abbé Dufour. Auditionné par les gendarmes, Sébastien est pris de nausée. C'est par écrit qu'il fait sa déposition et qu'il raconte les quelques heures qu'il a passées avec Dufour dans la voiture. « Il m'a parlé de masturbation avec un large sourire », écrit Sébastien. « J'ai vécu 4 mois horribles, dans une peur intense qui m'empêchait de parler, de travailler. Je voulais mourir. Pour ne plus le voir. Pour ne plus l'entendre. » Le temps passe et l'affaire n'a l'air de passionner ni les gendarmes, ni la justice, ni les autorités catholiques. On se sentait seul et puis abandonné par la justice, par l'évêché, par... Et bien sûr, dans une petite commune comme ça, où tout le monde se connaît, en plus, en tant que commerçant, j'étais connu dans toute la vallée, eh bien, on était plus des pestiférés qu'autre chose. Et tout le monde soutenait Dufour. Très peu de gens nous ont cru et... Ils nous ont fait confiance, en quelque sorte. L'affaire est classée sans suite par le procureur de la République, sans même que l'abbé Dufour n'ait été entendu par les gendarmes. Du côté de l'Église catholique, on refuse de croire la version de Sébastien. L'archevêque Feit offre même à l'abbé Dufour une promotion. Il le nomme en septembre 1995, 2 ans après le dépôt de la plainte, vicaire épiscopal de la cathédrale de Saint-Jean de Maurienne. Madame Eladeuf, comment est-ce que vous réagissez à la mutation de l'abbé Dufour, qui est donc nommé vicaire épiscopal à Saint-Jean de Maurienne ? On était très en colère. Ça a été l'incompréhension totale. Pourquoi ? Parce que pour nous, les choses n'avaient pas été dites. Il déplaçait simplement le problème. Nous pensions que les évêques allaient réagir sur tout ça. On pensait que soit Mgr Feit, soit Mgr Perrier allaient venir nous voir, en parler, même des prêtres qui étaient au courant, qu'on savait qu'ils avaient été au courant, mais personne n'est venu en parler avec nous. Nous sommes vraiment restés tout seuls avec ça, et sans savoir qu'est-ce qu'il faut en faire. Parce qu'on faisait quand même confiance à la hiérarchie en disant ils vont faire quelque chose. On ne peut pas laisser un homme au sein de l'Église détruire tout ça. Détruire le fond du message ? Le fond du message chrétien. En septembre 1995, l'abbé Dufour s'installe donc au presbytère, juste à côté de la cathédrale, en plein cœur de Saint-Jean de Maurienne. Rapidement, il fait la connaissance d'un jeune SDF, Daniel, qui vend des journaux sur la place. Par une nuit de grand froid, il lui propose de l'héberger. Le lendemain matin, le même Daniel raconte à un commerçant qu'il a eu une relation sexuelle forcée avec le curé. Le commerçant n'y prête guère attention, car Daniel boit beaucoup et tient souvent des propos incohérents. Et puis il connaît bien l'abbé Dufour. Pour lui, tout ça, c'est inimaginable. Daniel se confie alors au curé de son enfance. Ce jeune homme m'a dit, entre autres choses, il m'a dit qu'il avait été agressé sexuellement donc, par Pierre Dufour. Dans un premier temps, je n'ai pas accordé... je ne suis pas un type absolument extraordinaire. Je n'ai pas accordé une importance formidable à ce qu'il me disait parce qu'il lui arrivait de me dire des choses pour attirer un peu ma compassion. Donc, je lui ai dit, tu ne vas pas me faire croire que tu as été agressé, costaud comme tu es. Le père Brunetti doute de cette histoire. Mais au fil des mois, devant l'insistance et le mal-être de Daniel, il décide d'en parler à son évêque. L'évêque m'a interrompu assez rapidement en me disant, écoute, ton garçon cherche à se faire mousser, enfin quelque chose dans ce goût-là. Il y a eu des rumeurs, j'ai rencontré Pierre,
Je lui ai parlé face à face, il m'a dit qu'il y était pour rien, et j'ai totalement confiance en lui. Pendant ce temps-là, à Aigbel, Sébastien Gilaudy s'enfonce encore plus dans la dépression. En octobre 1996, 5 ans après son agression, il fait une 3e tentative de suicide. Cette fois-ci, ça sera la bonne. Sébastien avait 21 ans. Fin novembre, le médecin qui s'occupait de lui donc, a dit « on prend le risque de le laisser sortir » puisqu'il voulait plus... Enfin, il voulait plus de cette hospitalisation, donc il refusait. Et un mois et demi après, Sébastien donc, nous quittait, quoi, choisissait de trouver la paix. Pour les parents de Sébastien, c'est clair. L'abbé Dufour est responsable de la mort de leur fils. Ils écrivent au procureur de la République et en février 97, une enquête est ouverte. Mais cette fois-ci, le nom de Pierre Dufour fait tilt. Ce qui va être intéressant, c'est qu'il y a un des gendarmes de la brigade de Saint-Jean de Maurienne qui se souvient que l'année auparavant, donc en 1996, il est intervenu sur une tentative de suicide d'un SDF qui voulait se jeter sous le train. Et au moment de leur intervention, le SDF va expliquer ce geste-là en disant qu'il a été victime d'une agression sexuelle de la part du curé de Saint-Jean de Maurienne. Et ce jeune SDF, c'est Daniel. Et cette fois-ci, c'est au gendarme et non pas à un curé qu'il raconte sa nuit au presbytère 2 ans plus tôt. Il avait 27 ans. Et une nuit d'hiver, Pierre Dufour lui a proposé le gîte et le couvert. Après dîner, le prêtre lui aurait proposé de dormir au chaud, dans une chambre. Le jeune homme a dit oui, en confiance. Seulement voilà, un peu plus tard, l'abbé est entré dans la chambre. Il s'est déshabillé et lui a expliqué qu'il n'y avait qu'un seul lit et que c'était à prendre ou à laisser. Une fois couché, le prêtre aurait commencé à l'embrasser et puis il lui aurait demandé des caresses. Ensuite, Daniel dit qu'il a été violé. Violé ? Par un homme âgé qui ne mesure pas plus d'1m60, alors que lui, Daniel, fait 1m93. On va pas bien comprendre pourquoi il s'est laissé faire. Et donc là, il va répondre à cette motivation en disant qu'il était SDF, c'était l'hiver, Saint-Jean de Maurienne, il fait froid, et qu'il avait absolument besoin d'un hébergement, et qu'il voulait pas être mis à la porte de chez le prêtre au milieu de la nuit. Donc bon, bah, il s'est laissé faire, quoi. Mais Daniel donne des détails assez convaincants. Il est capable donc de décrire les lieux du domicile de Pierre Dufour, la chambre dans laquelle il était. Il va pouvoir nous décrire Pierre Dufour physiquement et il va nous dire que Pierre Dufour a une cicatrice en bas du ventre. Une cicatrice dont on ne peut connaître l'existence que si on a vu le prêtre nu. Mais les gendarmes n'arrivent pas à convaincre Daniel, le SDF, de porter plainte. Ils n'enquêtent donc qu'à partir d'une seule plainte, celle des Gilaudy. Et logiquement, ils tentent d'en savoir un peu plus sur le curé. Et qui connaît mieux Pierre Dufour que ses paroissiens ? Le problème, c'est qu'ils ne sont pas très bavards. On ne veut pas nous parler, on ne veut pas nous faire savoir. On dit non, je ne veux pas être auditionné. Et ne pas vouloir parler, ne pas vouloir s'expliquer, derrière, ça veut dire qu'on cache quelque chose. Et on s'interroge sur la personnalité de Dufour, à qui on a affaire. Pierre Dufour est un enfant de la vallée, né en 35, à Modane, d'une famille aisée. Il n'a jamais quitté la Maurienne. Ordonné prêtre à 26 ans, il a d'abord travaillé au collège Saint-Joseph. Il s'occupait de l'enseignement spirituel, de l'éveil des jeunes à la foi. C'était un homme qui était vraiment très, très gentil. On l'aimait vraiment bien. Même les dames le trouvaient vraiment très beau. À l'époque où il arrive à Saint-Jean, il avait fait fureur, il avait sa 4L. C'était rare de voir ça chez un prêtre. D'ailleurs, c'est le premier qui a quitté la soutane. C'était le curé moderne. Surtout dans nos régions,
Il était considéré comme... comme un dieu. Pendant 40 ans, Pierre Dufour est tour à tour responsable du catéchisme dans la région, puis curé du canton d'Aiguebel, et enfin vicaire épiscopal à la cathédrale Saint-Jean. Ce curé de terrain, ouvert et dynamique, est connu de tous dans cette vallée à la fois paysanne et ouvrière. De nombreuses familles lui confient sans hésiter leurs âmes et leurs enfants. C'était quelqu'un sur qui on pouvait compter, et il a rendu d'immenses services à beaucoup de gens. Par son conseil, parfois plus que par son conseil, par son implication personnelle. C'était l'Église proche des gens. Ce qui n'empêche pas que, pour reprendre le terme de vieille école, il avait des options morales un peu rigides, notamment dans ses prêches. Hein. Faut pas faire n'importe quoi quand on est chrétien, c'est pas rien que pour aller à la messe tous les dimanches, il y a aussi un comportement dans la vie sociale, dans la vie de tous les jours. Chaque dimanche, avec des mots simples, percutants, l'abbé Dufour dicte à ses paroissiens la voie à suivre vers le royaume de Dieu. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire des choses extraordinaires. Les autorités vont partager le pain et le distribuer. Que ce geste nous aide à nous dire qu'aujourd'hui, des gens dans le monde crèvent de faim et attendent de notre part que nous partagions notre pain. Autoritaire, énergique, l'abbé Dufour impose le respect. Personne n'ose le critiquer, lui, le vicaire épiscopal, le représentant de l'évêque dans la vallée. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Pierre Dufour est le chef de l'Église en Maurienne, un chef omniprésent dans cette région qui fut une des premières terres chrétiennes de France. D'ailleurs, il est le gardien de l'emblème de la ville, les trois doigts de Saint-Jean-Baptiste, des reliques qu'abrite la cathédrale. Cet emblème est pour nous très important et nous y tenons beaucoup. Ça va de soi, l'abbé Dufour connaît tous les notables de la région et il est très proche de Monseigneur Feit, l'archevêque de Chambéry. Ils se sont rencontrés à l'armée. Évidemment, les gendarmes entendent longuement les gilodies, les seuls à avoir osé porter plainte contre l'abbé. Ils vont en faire un portrait édifiant. Il passait dire bonjour, on lui offrait l'apéritif, et après quelques verres de whisky, il se dévoilait, c'était plus le prêtre, quoi. C'était un autre homme, quelqu'un de vulgaire, quoi. C'était des gros mots, il pouvait parler facilement de sexe. Et puis ce qui m'avait beaucoup choquée à l'époque, c'était des récits de confession, des confessions de personnes, ce qui était quand même assez choquant, quoi. Au début du mois d'octobre 1997, les gendarmes arrivent à la fin de leur enquête, sauf qu'à ce stade, ils n'ont pas entendu l'intéressé. L'heure est venue de confronter l'abbé Dufour aux accusations de Daniel, le SDF, et à celle de la famille Gilodi. Le procureur de la République va nous imposer, et je dis bien imposer, une audition en qualité de témoin. C'est-à-dire qu'au moment où il le désirera, il pourra quitter les bureaux librement. Car l'abbé Dufour n'est pas mis en garde à vue, ce qui lui donne un incontestable avantage psychologique. Toujours dans un souci de préserver sa réputation, l'interrogatoire a lieu à 70 km de Saint-Jean, à Chambéry. On se dit quand même qu'on a en face de nous un prêtre, donc forcément, il va nous dire la vérité. Donc l'entretien, il est très courtois. Pierre Dufour est très très détendu. Je ne veux pas dire que ça le fait rire d'être ici, mais il ne se sent absolument responsable de rien. On lui demande de parler de Sébastien Gilodi. Le prêtre explique très calmement lui avoir parlé du complexe d'Œdipe pendant leur trajet jusqu'à Saint-Jean. Il admet qu'il est possible qu'il lui ait demandé s'il se masturbait et qu'il ait pu choquer Sébastien par ses propos. « Mais j'ai mon franc-parler », dit-il. Il reconnaît aussi lui avoir mis la main sur l'épaule ou sur les genoux, mais précise-t-il, « il m'arrive de faire ces gestes avec des personnes avec qui je suis assez bien ».
Pierre Dufour va s'expliquer que c'est un curé moderne, qui est très proche des jeunes, vraiment à leur écoute, et qu'aucun sujet ne lui fait peur. Donc il aime bien être entouré de jeunes, il aime bien leur parler de sexualité, et vis-à-vis de ce jeune qu'il a dans sa voiture, et ben, il va lui poser des questions, comme il a l'habitude de poser des questions vis-à-vis des jeunes qui l'entourent. Donc il nie catégoriquement avoir une implication quelconque dans le suicide. Les gendarmes interrogent maintenant l'abbé sur ses relations avec Daniel, le SDF qui dit avoir été violé. Quand ils lui demandent comment Daniel sait qu'il a une cicatrice au bas-ventre, Dufour répond sans hésiter qu'il a été opéré de la prostate, qu'il en parle très librement autour de lui. Daniel a donc pu facilement l'apprendre par quelqu'un d'autre. Quand on va lui parler d'une quelconque agression sexuelle, alors là, il va avoir la même attitude qu'il avait, l'esprit vraiment tranquille. « Ah mais écoutez, moi je suis prêtre, je ne peux pas avoir de relations sexuelles, et encore moins avec un homme. » Jamais déstabilisé, l'abbé Dufour répond à toutes les questions, et les gendarmes n'ont aucune preuve matérielle à lui objecter. Ils n'ont que les soupçons d'une famille en deuil, les Gilaudis, et les déclarations d'un marginal, Daniel. Pierre Dufour quitte donc la gendarmerie sans que rien ne soit retenu contre lui. Quand il s'en va, je suis persuadé qu'il ne nous a pas dit la vérité. On a un sentiment partagé et on se dit qu'il faut aller plus loin dans nos investigations pour établir la vérité. Mais le 15 décembre 1997, le parquet classe l'affaire sans suite. La justice considère que l'abbé Dufour n'est pour rien dans le suicide de Sébastien. On est déçu dans un dossier comme cela, oui, vous êtes déçu parce que vous avez l'impression d'avoir loupé quelque chose ou de ne pas avoir trouvé la faille qui vous permette d'aller jusqu'au bout. Six ans ont passé depuis le suicide de Sébastien Gilaudis, quand le nom de Pierre Dufour revient dans une nouvelle plainte. Et cette fois-ci, les gendarmes vont avoir plus de billes contre l'abbé Dufour. Le 24 avril 2003, un jeune homme de 23 ans, Julien Donadio, vient porter plainte contre l'abbé. Il explique qu'il a rencontré le prêtre quelques jours auparavant dans le cloître de la cathédrale. Julien est un jeune homme malmené par la vie, fragile. Il vient, dit-il, d'être victime d'une agression sexuelle et il se confie au curé. Je lui ai raconté que j'avais subi un viol récemment. Et pour lui, il trouvait ça dégueulasse. D'un autre côté, il disait que pour moi, pour la façon de me guérir, ça serait de recoucher avec un homme, de pouvoir me remettre nu devant un homme. Julien est très surpris par ses propos. Mais il fait confiance à l'homme d'église. L'abbé l'invite à déjeuner. Ils passent un après-midi ensemble. Deux jours plus tard, un soir, Pierre Dufour frappe à sa porte et s'invite chez lui. Il avait des gestes assez bizarres. C'était de m'attraper la tête, ma tête, en me tirant très fort, vous voyez, en m'attirant vers lui, de m'embrasser sur les lèvres ou sur la joue. Mais vous voyez, d'une force, vraiment, c'était forcé, quoi. C'était forcé. Je lui ai dit que j'aimais pas ça. Il m'a rétorqué que c'était qu'il fallait vraiment que je lui obéisse. Il s'est assis à côté de moi et c'est là qu'il a commencé à me caresser du genou à la cuisse et de la cuisse à mon sexe. Et de là, je lui ai dit non, arrêtez, c'est pas la peine. Donc là, je vous dis, il a continué à me dire... Il faut que tu m'obéisses, il faut que tu sois fort, que tu puisses te déshabiller. Il a commencé à me toucher de plus en plus et de mettre ses mains à travers mon short. Et je sais pas pourquoi aujourd'hui encore je l'ai laissé faire, quoi. Je sais pas. Mais c'est vrai que j'étais tellement, tellement mal, je me sentais tellement sale, tellement détruit. En le caressant, l'abbé lui aurait dit... C'est pas moi qui t'embrasse, c'est pas moi qui te touche. C'est Dieu.
J'attendais que de lui qu'il me soutienne, qu'il dise que mon que le viol que j'ai que, dont j'ai été victime juste avant c'était horrible, que je sais pas, il aurait fallu qu'il me soutienne, qu'il puisse me parler quoi, en saint homme quoi, en homme de l'Église quoi, tout simplement. Vraiment, je venais chercher ceci quoi, je venais vraiment chercher qui un réconfort humain, quelque chose de vrai quoi. Et j'ai eu qu'un pervers, quoi. J'ai eu qu'un gars qui pensait qu'à mon cul, excusez-moi du mot, mais c'est faux plein chat. Julien porte plainte. Et naturellement, cette histoire réveille un vieux dossier. L'histoire de Daniel, le SDF. 6 ans plus tôt, il avait affirmé avoir été violé par Dufour. Le gendarme Prévost décide de l'entendre à nouveau. Nous retrouvons face à une personne complètement déprimée, en difficulté, donc en marge totale de la société, bien qu'il ait un petit travail à cette époque-là, et sous pression. Et quand on lui parle de notre enquête, de l'abbé Dufour, cette personne se met à pleurer. Daniel réitère ses accusations de viol, mais il reconnaît que 6 ans plus tôt, en 97, il n'a pas tout dit. Il s'est tu et n'a pas déposé plainte parce qu'il recevait en fait de l'argent de la part de Pierre Dufour. Ce dernier, en fait, pour acheter son silence, lui a envoyé par le biais de mandats de l'argent pratiquement tous les mois. En 1999, Daniel a reçu 5 300 francs de la part du prêtre. Voilà de quoi relancer l'enquête. Le problème, c'est que le gendarme rencontre l'opposition de son chef direct, le commandant de la compagnie de Saint-Jean-de-Maurienne. Il décide alors d'en aviser son responsable départemental. Le problème précis était que le commandant de compagnie de l'époque, qui était son chef, avait des relations privilégiées avec le père Dufour, de par ses convictions religieuses, et qu'au moment des faits, au moment où le chef Prévost est venu voir pour lui exposer le problème, le commandant de compagnie lui a dit « Vous ne touchez pas au père Dufour, parce que c'est quelqu'un qui est honnête et qui ne peut pas faire ça. » J'ai convoqué l'officier en question dans mon bureau. Je lui ai exposé les faits en lui demandant de n'intervenir à aucun moment dans l'affaire et de laisser les enquêteurs agir selon leur gré. Et c'est la raison pour laquelle je lui ai dit que je délocalisais l'affaire et qu'il n'avait à aucun moment, je dirais, une action dans cette enquête. Après 2 enquêtes préliminaires classées sans suite en 93 et 97, une information judiciaire contre X est ouverte en juin 2003 pour viol et agression sexuelle aggravée. Hélène Guérard, vous êtes la juge d'instruction qui va prendre en charge cette affaire. C'est une instruction qui est enfin ouverte, hein, alors que par 2 fois, le dossier Dufour a été classé sans suite. Vous décidez-vous d'entendre personnellement les 2 plaignants, c'est-à-dire ce jeune homme dont on a choisi de changer le prénom, que nous appellerons Daniel, mais ça n'est pas son vrai prénom. Il est tellement abîmé aujourd'hui qu'il ne souhaite pas sortir de l'anonymat à nouveau. Et puis Julien, qui viennent porter plainte. Qu'est-ce que vous en tirez de ces 2 entrevues ? Alors, la première, avec la personne que vous appelez Daniel, je constate que, entendu une fois en 97, puis de nouveau par l'enquêteur Prévost, et enfin devant moi, donc quelques années après, elle a toujours les mêmes déclarations, circonstanciées et invariables. Et on la sent très fragilisée, très abîmée dans sa relation des faits. Il y a de la sincérité. Voilà, absolument. Et chez Donadio, puisqu'on peut Julien. Le dire, Julien, il relate les faits en donnant un peu plus de détails. Et il semble frappé, marqué par ce qui lui arrive. Et donc, sa relation des faits est identique, avec, à quelques exceptions près, avec celle qu'il a faite devant les enquêteurs. Il y a un moment même où Daniel craque devant vous. Oui. Ouais, il pleure, il est très ému, il fait part de sa difficulté, notamment d'avoir des relations intimes avec des femmes, depuis ce qui lui est arrivé. Il dit que s'il a cette difficulté, ce n'est pas parce qu'il est homosexuel, mais parce qu'il n'arrive pas à digérer ce qu'il s'est passé. Vous croyez, Julien et Daniel ? Leur déclaration semble authentique. Parce que
C'est important à ce moment-là de ne pas se planter, parce que vous mettez les pieds dans une pétaudière. L'abbé Dufour est respecté dans la vallée de la Maurienne. Vous savez à ce moment-là que vous risquez de faire scandale. Moi, j'ai une information ouverte contre X. Donc d'abord, je dois rechercher s'il y a une infraction, si oui, à qui elle est imputable. La qualité ou le titre ne va jouer qu'en second plan sur la question de la circonstance aggravante. À aucun moment, on ne vient voir la jeune juge d'instruction que vous êtes pour lui dire « Vous devriez faire attention ». Non. Sincèrement, jamais. Sincèrement, jamais. Septembre 2003, les gendarmes placent le presbytère sur écoute. Ces surveillances nous amènent à démontrer que Pierre Dufour n'est pas simplement l'abbé connu par tous, mais bien une personne qui a une deuxième vie. On découvre un jeune qui se prostitue sur Saint-Jean-de-Maurienne et qui notamment entretient des relations sexuelles avec Pierre Dufour. Donc par rapport à l'audition de 97, on sait déjà qu'il nous a menti au moins sur ce point-là. Les gendarmes recherchent les mandats que Dufour aurait envoyés à Daniel, le SDF. Les investigations permettent de mettre à jour effectivement de nombreux mandats qu'il transmet notamment via la poste à ce SDF, mais aussi à d'autres personnes. Donc à travers ces mandats, nous découvrons d'autres victimes potentielles. Les gendarmes recueillent alors deux autres témoignages importants. Deux hommes qui affirment avoir eux aussi été agressés par Dufour, l'un récemment, l'autre il y a plus d'une trentaine d'années, alors qu'il était mineur. Mais ces deux-là ne souhaitent pas porter plainte. Madame Guérard, les écoutes téléphoniques vont être assez fructueuses, finalement. Elles vont confirmer les déclarations des victimes, d'une part, et d'autre part, démontrer que M. Dufour a des relations homosexuelles, certaines, contre contribution. En fonction de la prestation. Là, vous avez suffisamment d'éléments pour l'arrêter. Vous avez deux plaignants et la confirmation que l'abbé Dufour a des relations homosexuelles avec des jeunes qu'il rétribue. Oui. Donc vous avez des éléments. Donc on a des éléments. On a 3 mois d'enquête avec des auditions, des expertises psychologiques qui nous indiquent que les victimes expertisées sont authentiques dans leur déclaration au regard d'un traumatisme subi. On a un environnement suffisant. Et avant l'environnement, on a découvert un suspect et on a un environnement. Mmh. Donc c'est la phase d'interpellation qui entre en jeu. 9 décembre 2003, à l'aube. Personne sur la place de la cathédrale. Les gendarmes, garés en contrebas pour plus de discrétion, s'avancent vers le presbytère. À notre arrivée, grosse surprise, enfin première surprise, Pierre Dufour est absent. Donc c'est sa bonne qui nous ouvre la porte. Elle nous dit que le prêtre est sorti pour promener son chien et qu'il ne devrait pas tarder d'arriver. Le voilà, quelques minutes plus tard. Nous sommes dans le hall, Pierre Dufour ouvre la porte, il est avec son chien. Nous dit tiens donc, pas plus surpris que ça. Quand il voit des uniformes en face de lui, il n'y a aucune réaction. Il faut dire que les uniformes, il les connaît. Il connaît les gendarmes de Saint-Jean-de-Maurienne. Il nous serre la main donc on lui expose les faits pour lesquels on vient à son domicile. Il ne paraît pas plus surpris que ça. Les gendarmes sont déterminés à ce que cette fois, Dufour ne leur échappe pas, comme en 1997. Ils commencent par perquisitionner le presbytère. Nous retrouvons des reconnaissances de dettes, donc de personnes déjà identifiées, mais d'autres personnes. Nous retrouvons beaucoup d'argent. Plusieurs milliers de francs en liquide disséminés dans différents lieux de l'appartement. On va retrouver des talons de mandat cash adressés au fameux SDF en question. Et on va retrouver des écrits plus qu'équivoques à destination de deux personnes. Dans un placard de la salle à manger, les gendarmes trouvent un bar, plutôt bien rempli. Ils mettent la main sur des livres et des cassettes vidéo grand public qui traitent d'homosexualité et de bisexualité. La fouille se poursuit toute la matinée.
Les gendarmes cherchent entre autres la chambre d'amis où Daniel dit qu'il a été violé. Et la chambre qui lui ressemble le plus, c'est celle de l'abbé. Et dans cette chambre, ils font une découverte plutôt surprenante. Dans la chambre de Pierre Dufour, on va découvrir un godemichet et un tube de vaseline. Donc pour le godemichet, il va dire que c'est à lui. Et pour le tube de vaseline, il va commencer à vouloir s'expliquer en disant que c'est une crème pour les mains. Un godemichet, de la vaseline, contrairement à ce qu'il leur avait dit 6 ans plus tôt, l'abbé est donc homosexuel et pratiquant. En fin de matinée, la garde à vue se poursuit à la gendarmerie. Mais pas à Saint-Jean, loin, à Aiguebelle. Les gendarmes ont maintenant 48 heures devant eux, le temps de la garde à vue pour interroger l'abbé et tenter de le faire avouer, pour avoir du concret et un motif de le mettre en examen. Au début de l'interrogatoire, l'abbé Dufour apparaît toujours aussi serein. Mais il sait bien que les gendarmes ont maintenant des éléments contre lui. Il va falloir jouer serré. La première question va concerner la sexualité, et là, tout de suite, immédiatement, il va répondre qu'effectivement, il entretient des relations sexuelles de type homosexuel. Maintenant qu'il reconnaît être homosexuel, a-t-il agressé et violé Daniel, le jeune SDF ? Et là, Pierre Dufour a eu quand même énormément de difficultés à admettre son rôle. En jouant sur « c'est pas vrai, je l'ai pas fait », à après, un petit peu plus tard, à dire « ça a pu se passer, mais j'en ai pas le souvenir », et puis finalement dire « s'il le dit, c'est que ça doit être vrai ». Question suivante. Qui sont ces gens à qui l'abbé a donné de l'argent et a fait signer des reconnaissances de dettes ? D'autres victimes, peut-être ? Il se rend bien compte des éléments que nous détenons. Donc à ce moment-là, il va atténuer ses agissements. Et il va prendre l'option de dire « oui, il s'est bien passé tel et tel fait, mais les personnes avec qui j'étais étaient consentantes ». En quelques heures, l'abbé Dufour vient de lever le voile sur sa vie cachée. Et à la 14e heure de garde à vue, il se lâche. Il nous parle d'enfants, d'agressions sexuelles, voire de relations sexuelles avec d'autres, avec des enfants dont il ne se rappelle plus les noms ni même les prénoms. Il va nous dire, j'ai tellement eu de relations avec des gens que je ne peux pas vous les citer. Donnez-moi des noms et je vous dirai si c'est oui ou si c'est non. Finalement, Pierre Dufour cite 2 noms d'hommes qu'il a agressés alors qu'ils étaient mineurs, il y a plus de 30 ans. Les gendarmes sont stupéfaits. Ils tentent alors une nouvelle fois de lui demander s'il a agressé sexuellement Sébastien Gilaudy. Mais une fois de plus, l'abbé nie catégoriquement. Je l'ai caressé sur la cuisse, je n'ai pas touché son sexe. La garde à vue est prolongée d'une journée. Le vicaire épiscopal de Maurienne passe sa première nuit en cellule. On a des aveux largement plus détaillés et plus conséquents que ce qu'on attendait. Deuxième journée de garde à vue. Les gendarmes ont encore des éléments clés à soumettre à Dufour. Des lettres, des cassettes, des livres, des photos. Ils comptent les utiliser pour le déstabiliser encore un peu plus. Après une nuit en cellule, Pierre Dufour va être quelqu'un encore un peu plus abattu que la veille. Donc c'est pas du tout le même Pierre Dufour que moi j'avais rencontré en 97, qui était fier de lui. Hein. Là c'est quelqu'un qui fait le profil bas, quoi. Il était prêt à parler de beaucoup de choses, puisque sur ses temps de repos, il continuait à parler, et parler notamment de certaines agressions que nous n'avions pas encore abordées. Il est arrivé à un moment où je pense qu'il a senti qu'il fallait qu'il se mette à jour. Mais après la pause déjeuner, l'abbé ne se sent pas bien. Il commence à avoir des difficultés abdominales.
Donc il nous le dit, hein, donc, c'est pour ça qu'on en avise le médecin. Le médecin va nous dire qu'effectivement, il y a un problème médical vis-à-vis de Pierre Dufour, que sa garde à vue ne peut pas se prolonger sans des examens complémentaires qui ne peuvent être réalisés qu'à l'hôpital. Par précaution, les gendarmes préfèrent interrompre la garde à vue et déférer le curé devant la juge d'instruction, Hélène Gerhardt. Hélène Gerhardt, Pierre Dufour est déféré devant vous. Il est dans quel état et il s'exprime comment et qu'est-ce qu'il vous dit ? Il répond aux questions très simplement, très clairement. Il a toujours des réponses assez laconiques. Sur Julien, il conteste absolument tout. Il n'a pas eu de relation sexuelle avec Julien ? Non. Jamais ? Non, jamais. Il indique que c'est une personne déséquilibrée. Il se souvient de l'avoir vue, mais en aucun cas, il n'aurait eu un geste déplacé à son endroit. En ce qui concerne Daniel, il reconnaît qu'il l'a forcé, qu'il n'était pas d'accord et qu'il était surpris. Mais que somme toute, il s'est laissé faire, parce que, sachant qu'il avait une carrure bien plus importante que M. Dufour, il aurait pu s'y opposer. Il parle facilement de sexualité, l'abbé Dufour. Il est prêtre. Très facilement et d'une manière très libérée et très crue. À ce moment-là, vous décidez quelque chose d'assez peu fréquent, c'est de lancer un appel à témoins dans la presse à la recherche d'autres victimes, c'est ça ? Absolument, puisque l'abbé Dufour avait indiqué qu'il y avait d'autres personnes et de nombreuses autres personnes avec lesquelles il avait eu des rapports sexuels. Certains rapports sexuels étaient non consentis. Lorsqu'on l'interroge sur le nom de ses victimes, il donne des noms pour des personnes concernant des faits prescrits. Et concernant les faits non prescrits, il ne donne pas de nom. Donc, avec le colonel Caillot et le procureur, on rédige un texte et on fait un appel à témoins. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce 19-20. Stupeur et consternation dans la vallée de la Maurienne. Un prêtre a été mis en examen et écroué pour viol et agression sexuelle. Il a reconnu avoir sévi pendant plus de 40 ans. Un appel à témoins a été lancé pour retrouver toutes ses victimes. Chez les catholiques de Saint-Jean de Maurienne, c'est la stupéfaction. Quand on était à l'église, ils nous faisaient la morale. Moi, j'envoie mes enfants au caté. On est des gens qu'on croit, croyants. On est d'origine italienne, mais quand on voit ça, c'est quelque chose qu'on doit, on doit pas admettre. Quand il était gamin, il a fait le catéchisme. Mais bon, il s'est jamais arrêté. J'ai jamais entendu. C'est lui qui a baptisé Rodolphe. Oui. Ouais. C'était un client. On lui payait le café tous les matins. On n'a jamais vu un curé comme ça, quoi. Et dans la vallée, certains prêtres tentent de justifier leur silence. J'ai pas pu me taire, puisque je savais pas. Hein? J'ai pas pu me taire. Il y avait des rumeurs, quand même. Oui, mais vous savez, les rumeurs, moi, j'en tenais pas compte. Parce que j'ai eu que des bribes de rumeurs. L'arrestation fait la une des journaux régionaux. Chaque article est accompagné de l'appel à témoins. Quand j'ai lu cet article, j'ai pas hésité à vouloir téléphoner. Hein, pour là, au moins, cette fois, je pouvais parler. Comme quand j'étais petit, si je me serais plaint, je me serais plaint tout seul. Tandis que là, il y en avait d'autres qui avaient déjà avoué. Donc, puis je voulais pas. Je voulais donner ma preuve en plus aussi pour qu'il soit puni de tout ce qu'il avait fait. Quoi. Patrice Recrozio avait 8 ans lorsqu'il a croisé le chemin de l'abbé Dufour. À l'époque, le prêtre lui faisait le catéchisme. Les cours de catéchisme allaient très bien, sauf à la fin du catéchisme, il nous appelait pour aller soi-disant vérifier les devoirs ou une chose ou l'autre, mais il nous gardait qu'une personne à la fois, qu'un enfant à la fois. Et moi j'ai subi des attouchements par-dessus les habits. Hein. Et il nous faisait cadeau d'une petite médaille en aluminium. Peut-être pour qu'on se taise aussi. On devait bien y être une vingtaine chaque fois. Sur la vingtaine, je suis pratiquement persuadé que tout le monde a dû y passer. Hein.
On était beaucoup à avoir des médailles. À plus de 1000 km de là, un autre homme, Pascal Bouvier, apprend à la une d'un journal l'arrestation de l'abbé Dufour. La sensation que j'ai ressentie, c'était être rattrapé par quelque chose du passé. Et je me suis dit que c'était l'opportunité pour moi de régler des comptes avec Pierre Dufour, bien sûr, mais avec mon passé. Voilà. Été 78, Pascal Bouvier passe ses vacances en Maurienne. Il a alors 17 ans. Un jour, l'abbé Dufour le prend en stop et lui propose de visiter la vallée. Catholique pratiquant, Pascal se sent en confiance. Et il va faire à l'abbé une confidence intime. Je lui ai donc expliqué que quelques années auparavant, alors que j'étais enfant, j'avais 11 ans, j'ai été victime d'une agression sexuelle dans un centre de vacances par le directeur. Voilà, c'était la première fois que je parlais de cette chose-là. C'était donc quelque chose d'extrêmement fort pour moi. Et Pierre Dufour, lui, s'est montré très curieux, me demandant de raconter les détails, ce qui s'était passé. Soulagé d'avoir confié son secret, Pascal ne s'aperçoit pas que les questions du prêtre sont salaces, déplacées. L'abbé Dufour l'invite à continuer la discussion chez lui. Au début, il parle musique, philosophie, littérature. Pascal n'a pas de raison de se méfier. Et puis l'abbé lui propose de dormir sur place. Et là, ça va dégénérer. Et un petit peu plus tard dans la nuit, donc Pierre Dufour s'est approché de moi et a commencé donc à avoir des attouchements sexuels. Donc, imaginez le choc sur l'instant, alors que je venais lui faire une révélation de quelque chose qui était extrêmement douloureux, et d'avoir le sentiment que l'histoire bégayait. Sur l'instant, j'ai eu le sentiment d'une trahison, et puis j'ai trouvé la force en moi, en fait, de le repousser. Le lendemain matin, l'abbé ne fait aucune allusion aux événements de la nuit. Pascal quitte le presbytère rapidement. J'ai eu le sentiment, a posteriori, d'avoir été traqué, d'avoir été en fait dans un piège de quelqu'un qui cherche à séduire, qui fait en sorte que sa proie soit tout à fait démunie, ne soit pas du tout sur ses gardes. C'était vraiment un prédateur. Madame Guérard, quels sont les résultats de l'appel à témoins que vous avez lancé ? Fructueux ? Fructueux en ce sens où nous avons beaucoup d'appels. Beaucoup d'appels de victimes qui seront donc ensuite entendus sur commission rogatoire. Et la plupart des faits sont prescrits, d'autres non. Vous pouvez rien faire donc pour ces cas-là ? Non, elles sont entendues, mais on ne peut pas, elles ne peuvent pas se constituer partie civile. Mais en quoi est-ce que c'est intéressant de les entendre et de les faire entendre ? C'est intéressant sur deux plans. D'abord pour connaître la vie de cette personne mise en examen, donc quelle personne elle a rencontrée. Et ensuite, ces auditions nous montrent que le modus operandi était déjà le même 30 ans avant, c'est-à-dire qu'il est soit en contact avec des mineurs. Il a agi toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a, dans un premier temps, ce qu'on appelle les actes préparatoires au passage à l'acte, donc une mise en confiance de sa victime, entre guillemets, des caresses sur la cuisse, sur le haut de la cuisse, des discussions autour de la personnalité, autour de la sexualité, une discussion autour des difficultés du mineur, et ensuite, le passage à l'acte est le même, dans la nature des faits sexuels. Ce sont les mêmes gestes, mais également dans le lieu des faits. Et enfin... Le lieu ? Le lieu, souvent à son domicile.
La plupart du temps à son domicile ou quand ce sont des autostoppeurs en voiture. Et puis ? Et ensuite, la phase post-passage à l'acte est exactement la même. Il demande de garder le silence, il menace et il fait des dons. Est-ce qu'au fil de ces années, voire de ces décennies d'agissement, il y a une évolution dans le profil des victimes ? Parce qu'on voit que les deux dernières victimes sont des jeunes majeurs. Vous avez parlé de mineurs tout à l'heure. Absolument. Lorsque M. Dufour quitte Aigbel, c'est-à-dire ses fonctions auprès de mineurs, il a des relations sexuelles avec des majeurs, puisqu'il n'a plus de contact, notamment de par la catéchèse, avec des mineurs. Donc là, il se tourne vers des hommes majeurs. Les gendarmes lancent des recherches tous azimuts et recherchent tous ceux qui auraient pu être victimes de Dufour. Ses enfants de cœur, les élèves du collège Saint-Joseph, les enfants d'Aigbel. Au total, ils entendent une centaine de personnes dans une atmosphère souvent pesante. Rapidement, on se rend compte qu'on provoque un séisme chez chacune des personnes qu'on entend, qu'il dépose ou qu'il ne dépose pas. On a notamment le cas d'un témoin dont on a cru qu'il allait se jeter par la fenêtre des locaux de la gendarmerie au moment de son audition. On le sent bien, notre enquête rappelle des choses violentes, des mauvais moments de la vie pour nombreuses personnes, et ce qui explique que les personnes qui se sont tues n'ont pas envie de revivre ça. Deux victimes citées par Dufour nient même catégoriquement les faits. Certains témoins, en proie à des crises de violence, frappent à coups de poing sur les murs de la gendarmerie. D'autres se protègent dans le silence. On a fait ressurgir des faits de 40 ans. Donc des personnes qui socialement étaient placées, qui avaient une famille, voire des petits-enfants. Donc ils ne supportaient pas que ces faits qu'ils avaient enterrés totalement ressurgissent de nouveau et salissent leur famille. La majorité des victimes avaient des larmes aux yeux, et puis c'était pas des larmes qui étaient feintes. Hein. C'était vraiment... toutes les auditions des victimes étaient vraiment chargées en émotions. Avec ce sentiment à la fois de culpabilité en se disant comment on a pu se laisser imposer ça et comment on n'a pas réagi, comment on n'a pas dénoncé les faits. Finalement, seule une dizaine d'hommes reconnaissent avoir été agressés ou violés par Dufour. Mais les gendarmes en sont certains, beaucoup de victimes ont préféré se taire. Vous avez, vous, une évaluation des traumatismes qu'ont subi ces gens-là? Il y a de la culpabilité, par exemple, chez tous ces jeunes dont les faits sont prescrits et pour lesquels l'affaire s'arrête là? Le traumatisme pour des hommes victimes d'agressions sexuelles et de viols est très lourd parce qu'il y a une très grande culpabilité liée à la réaction physiologique du corps. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les hommes se sentent coupables d'avoir eu une érection, voire d'avoir eu une éjaculation, et ça ne veut pas dire qu'ils étaient d'accord, et donc ils se sentent très coupables, et ça peut créer un trouble de l'identité sexuelle. Ça veut dire qu'ils ne font pas bien la part entre éjaculation et plaisir, par exemple? Absolument. Quand une victime affirme qu'elle a été sodomisée par l'abbé Dufour, celui-ci dément formellement. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il me dit que c'est impossible, car il a fait l'objet d'une intervention chirurgicale et qu'il ne peut connaître d'érection. Donc je mandate un expert urologue qui est donc chargé de me dire si oui ou non le mis en examen connaît des érections. Et alors quelles sont les conclusions de l'expert? Eh bien l'expert indique que M. Dufour n'a aucun trouble de l'érection et qu'il a des érections tout à fait conformes à un homme de son âge. Et là, réponse surprenante, il me dit « Ah oui, madame le juge, j'ai toujours confondu érection et éjaculation. » C'est un jeu d'après vous? Absolument. Vous ne pensez pas qu'il n'y ait jamais eu de confusion dans sa tête? Non, je ne crois pas. Alors Dominique Rizet, que disent les experts psychiatres sur Pierre Dufour? Mais ils disent, Christophe, des choses très intéressantes, notamment sur sa personnalité. Alors, les expertises commencent, comme toujours, par des éléments biographiques. Il raconte sa première histoire avec une femme, il avait 16 ans. Il en connaîtra deux autres par la suite, mais il est déjà prêtre. Hein. Et à propos de l'une d'elles, il dit, écoutez bien, parce que c'est quand même un peu fort venant d'un prêtre, s'il a eu cette relation avec elle, c'était par compassion.
c'était une pauvre femme dont le compagnon n'avait de rapport que pour la procréation. Il raconte sa première relation homosexuelle, il est âgé de 30 ans, c'est avec un autostoppeur. Les experts le questionnent ensuite sur les faits qui lui sont reprochés. Le père Dufour est formel, il n'a jamais agressé sexuellement Sébastien Gilaudy. Il passe assez rapidement sur les attouchements sur mineurs, les autres, qu'il a déjà avoués aux gendarmes, et il dit aux experts qu'il s'en est ouvert à ses confesseurs. Le père Dufour a raconté ça à ses confesseurs, qui lui ont conseillé d'aller consulter, de se faire soigner, et il dit ça, je n'en ai rien fait. On en vient ensuite aux constatations cliniques. Les experts disent de Pierre Dufour qu'il a un caractère pervers. Et sa perversité s'exprime par une incapacité, voire un déni, à reconnaître le mal qu'il a pu faire. C'est-à-dire qu'il reste froid, sans émotion, quand on lui parle de la douleur de ses victimes. À cela s'ajoute, ouvrez les guillemets, une personnalité clivée entre ses engagements religieux, c'est très important, et son comportement pervers qui le mène à ne pas reconnaître l'emprise psychique qu'il a sur des sujets vulnérables. En fait, le père Dufour, il est torturé entre les interdits de sa foi et son homosexualité. Et la conclusion est sévère, il peut récidiver, il est potentiellement dangereux, malgré son âge. Il est dangereux compte tenu du fait, justement, qu'il présente toujours un déni important. Ça se termine par une recommandation des experts qui préconise de l'écarter, le jour où il sortira de prison, de tout public vulnérable. L'enquête continue. Les gendarmes convoquent un certain Jacques. En 2002, l'abbé Dufour lui a versé plus de 20 000 francs. Il a reconnu avoir entretenu des relations sexuelles avec lui. Ils veulent vérifier sa version des faits. Après beaucoup d'hésitations, Jacques raconte sa rencontre avec le curé. C'était en 2000. Il avait 35 ans. Pierre Dufour l'a pris en stop. Jacques l'a trouvé très sympathique. Il lui a dit qu'il était marié mais qu'il galérait et vivait de petits boulots. L'abbé lui a proposé un travail bien rémunéré, une aubaine. Seulement voilà, au fil des semaines, Jacques a perdu le contrôle de la situation. Parfois c'était « je te donne », parfois c'était « je te paye du travail », et puis parfois c'était « je te prête de l'argent ». Il va être dans une dépendance financière très grande, c'est-à-dire qu'il aura pris trop d'argent et il ne pourra plus rembourser. Et puis au fil des mois, de promesses de travail en versement d'argent, les mains de Dufour se font baladeuses. Lors d'un trajet en voiture, l'abbé pose sa main sur la cuisse de Jacques. J'avais besoin d'argent, j'ai donc laissé faire. Quelques semaines après, Dufour va plus loin. Il l'invite chez lui, le caresse et le déshabille. Jacques n'ose pas le repousser. Pendant un an environ, une fois par mois, Pierre Dufour lui impose des relations sexuelles. Quand Jacques tente de se libérer de cette emprise, l'abbé Dufour lui rappelle qu'il lui doit plusieurs milliers de francs. La destruction a été progressive, lente et longue. Voilà, ça a duré 3 ans. Et pendant 3 ans, ça a été, je dirais, un envahissement psychique. C'est-à-dire que cet homme-là était obligé de penser à l'abbé Dufour tout le temps, puisqu'il risquait d'apparaître dans sa vie tout le temps. Leur relation ne s'arrêtera qu'avec l'arrestation du prêtre. C'est à ce moment-là que Jacques aura le courage de porter plainte. Maître Fernex de Mongex, vous êtes l'avocat de Jérôme Martin, qui est un jeune séminariste de 23 ans à l'époque des faits, qui se déroule en 93, donc on est exactement à la même époque que les agissements commis sur Sébastien Gilaudy. Il dit lui aussi qu'il est une victime de l'abbé Dufour. Il est victime parce que, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Jérôme Martin n'est pas arrivé à la prêtrise par hasard.
Pour lui, effectivement, Pierre Dufour, lorsqu'il est jeune séminariste et qu'il est donc propulsé sous ses ordres, il va avoir son père spirituel, il va avoir son référent spirituel. C'est celui qui lui apprend, c'est le sachant pour lui. Et c'est donc aussi quelqu'un qui a une autorité tout à fait particulière parce qu'il est vicaire épiscopal. Il a de l'admiration pour lui ? Beaucoup d'admiration. Et ça, de cette autorité morale sur le jeune Jérôme Martin, le père Dufour en a donc profité. Qu'est-ce qui s'est passé ? En clair, il y a eu naturellement, il y a eu d'abord un certain nombre d'attouchements. Des viols ? Viols par les doigts, oui. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas cherché à se rebeller ? Il avait tout de même 23 ans à l'époque des faits. On est un grand garçon quand même, 23 ans, on peut partir. On n'est pas obligé, on peut être violé une fois, mais pas deux. C'est un phénomène qui est, que les experts décrivent comme étant un pouvoir de sidération. C'est une attitude de sidération qu'a la victime, c'est-à-dire que placé devant son bourreau, on sait que c'est son bourreau, et pourtant on va lui manger dans la main. Mais on ne peut pas, on est pétrifié. Il y a quelque chose qui est surprenant dans le cadre de l'affaire de votre client Jérôme Martin, c'est qu'il a écrit à l'abbé Dufour des lettres d'amour. Jérôme a relativement mal vécu le divorce de ses parents et il n'y avait aucune référence paternelle lorsqu'il est rentré en séminaire. Et on va arriver à cette évolution absolument incroyable que le référent spirituel, le sachant, le guide pour ce jeune séminariste va également lui apporter de l'affection. Et au départ, cette affection, elle est comme on pourrait penser d'un père à son enfant. Et c'est l'évolution dans la perversité de Pierre Dufour qui va faire qu'en réalité, il va y avoir cette évolution et qu'il va y avoir cet écrit. À la fin de l'instruction, vous avez 5 dossiers, 5 parties civiles qui vous paraissent justifier le renvoi de ces 5 cas devant une cour d'assises. Ce sont pour vous tous les 5 des dossiers solides. Absolument. Il y en a un que vous ne retenez pas, c'est le jeune Gilody, qui s'est suicidé depuis. Pourquoi est-ce que vous ne retenez pas son dossier ? D'abord, parce qu'on renvoie aux assises que des faits solides. En ce qui concerne Gilody, la première difficulté dans cette instruction, c'est qu'il n'avait jamais été entendu. Les seuls éléments que l'on avait pour tenter de caractériser une infraction était un courrier de Gilody qui a été saisi, de Sébastien Gilody, par lequel il indique une caresse sur sa jambe, il fait état d'une caresse, et nullement d'un geste à caractère sexuel. Donc ce n'est pas suffisant pour ordonner un renvoi, une mise en accusation. Finalement, l'abbé Dufour est renvoyé devant la cour d'assises pour 5 affaires. Pour viol sur Jacques, Daniel, Stéphane et le prêtre Jérôme Martin. Et pour agression sexuelle sur Julien Donadio. Tous ces faits sont aggravés car ils ont été commis en abusant de l'autorité conférée par la fonction sur des personnes fragiles. Chambéry, 22 mai 2006. Le procès de Pierre Dufour s'ouvre 2 ans et demi après son arrestation. Il a maintenant 71 ans. Dans l'enceinte de la cour d'assises, l'atmosphère est lourde. Adversaires et partisans de Dufour, venus de la vallée de la Maurienne, se retrouvent côte à côte, les uns pour assister à sa chute, les autres pour le soutenir jusqu'au bout. Les faits d'agression sexuelle seront contestés sur le terrain du consentement pour l'essentiel. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais pour l'avocat général, la question du consentement ne se pose pas. On le sent bien quand au début du procès, elle lit l'acte d'accusation. Pendant 2 heures, elle retrace le parcours de l'abbé Dufour et mélange habilement les faits prescrits et les faits à juger. Un à un, elle cite la dizaine d'enfants et d'adolescents auxquels Pierre Dufour s'en serait pris alors qu'il était jeune prêtre. Elle dresse le portrait terrifiant d'un religieux qui aurait agressé et violé pendant 40 ans. Il n'est pas jugé pour ces cas prescrits, bien évidemment, mais c'est pour montrer la personnalité de cet homme qui, finalement, n'a pas cessé de soumettre les autres à ses propres désirs.
sans prendre à aucun moment en considération la personnalité de l'autre. Je considère que cet arrêt de renvoi tel qu'il est rédigé, c'est un véritable arrêt de condamnation à l'encontre de Pierre Dufour. Parce qu'il contient une avalanche de charges, mais surtout parce qu'il aboutit à cette synthèse du dossier sur le terrain de la personnalité, j'ai affaire et j'assure la défense d'un pervers, d'un manipulateur. La première journée d'audience est consacrée au témoignage des victimes pour lesquelles les faits sont prescrits, même si beaucoup ont refusé de déposer. Incontestablement, même s'il n'était pas poursuivi pour ça, ça a donné, je dirais, une cohérence au dossier, ça lui a donné un relief, ça lui a donné une consistance, voilà. Ça lui a donné une certaine consistance encore au dossier différente. Face à ces témoignages, dans son box, Dufour ne montre que du mépris. Au tribunal, ça a été très dur, surtout en le voyant. En le voyant et l'air arrogant qu'il avait devant tout le monde. On aurait dit un homme qui n'avait absolument rien fait. Ça a été vraiment dur à encaisser de le voir pratiquement fier de lui, quoi. Il intervenait à cette audience, l'abbé Dufour, il est très souvent intervenu. Il coupait la parole. C'était son enceinte, quoi, voilà. C'était une façon aussi pour lui, systématiquement, de reprendre la main, de montrer qui commandait, qui décidait, qui manipulait. Et ça, ça ne joue pas en sa faveur. J'attendais de Pierre Dufour, j'allais dire, un peu d'humanité. Je trouvais qu'il était très froid, inaffectif, incapable de comprendre la douleur qui s'exprimait en face de lui. Et pour un prêtre, c'est quelque chose qui m'a choquée, que c'est pour moi un homme d'église et pour moi quelqu'un qui va vers l'autre, qui écoute la douleur des autres. Là, Pierre Dufour est resté totalement insensible. Deuxième jour du procès, journée cruciale. L'abbé va devoir affronter les cinq victimes qu'il accuse d'agression sexuelle et de viol. Et là, les faits ne sont pas prescrits. Maintenant, il va falloir raconter en pleine lumière ce qu'on a caché pendant des années. Le procès arrivant, Jérôme Martin, qui est prêtre au moment du procès, sait qu'il va devoir s'expliquer à la barre devant une foule de gens sur des questions extrêmement intimes qui relèvent de sa sexualité. Tout à fait. Est-ce que il hésite à demander le huis clos ou pas? Dans un premier temps, je ne vous le cache pas, on avait envisagé le huis clos total. C'est un droit. C'est un droit le plus absolu pour une victime dans ce genre d'affaires. Et puis, en discutant tous les deux, on se dit, mais de quoi réellement avons-nous peur? Est-ce que nous avons quelque chose à cacher? Et puis, Jérôme Martin vient déjeuner avec moi et nous retrouvons tous les deux. Et à ce moment-là, il me dit, je pense que je vais aller jusqu'au bout. Et c'est lui, lui seul, qui a pris cette décision. Et c'est une démarche de courage. Ça fait maintenant 2 ans et demi depuis l'arrestation de Pierre Dufour que j'attends avec vraiment impatience la vérité et que pour moi, je le vis vraiment comme je le vivrai vraiment comme une libération. Pendant de longues minutes, dans un flot de paroles et de larmes, le jeune prêtre raconte le calvaire qu'il a subi pendant plusieurs mois. Il raconte sa fascination pour l'homme d'église, mais aussi la sidération et l'incompréhension dans lesquelles le plongeait chaque agression. L'assistance est sous le coup de l'émotion. Jérôme Martin, lui, attend un signe de Pierre Dufour. Ça a été très, très dur ce moment, parce qu'il s'est retourné, j'ai l'image encore présente à l'esprit, il s'est retourné vers le Père Dufour. Il voulait que le Père Dufour lui demande pardon. Et le Père Dufour est resté muet. Je suis moi-même intervenue et j'ai dit au Père Dufour, mais vous sentez bien que Jérôme Martin attend quelque chose de vous, attend que vous lui demandiez pardon. Et on a eu cette réponse extraordinaire de Pierre Dufour qui nous a dit, je lui pardonne.
Il y a un grand silence dans la salle. Là, je pense que ça a été un moment où même les supporters ont dû vaciller un peu sur leur base, quand même. Hein. Donc là, il y a eu un léger... Il s'est rendu compte de ce qu'il venait de dire et il a dit « Non, je te demande pardon. Je te demande pardon. Ça va, ça ?» Pour l'avocat de Pierre Dufour, la tâche est rude. Comment faire face à cette avalanche de témoignages et d'accusations ? Maître Cataldi, vous êtes l'avocat de l'abbé Dufour. Comment défendre cet homme devant la cour d'assises ? La question, c'est aussi de savoir quelle part de responsabilité on peut imputer à ceux qui sont plaignants à la barre de la cour d'assises de la Savoie lorsque Pierre Dufour est jugé. Alors, prenons l'affaire de ce séminariste, qui est quand même là. Le père Martin. Ce jeune séminariste explique qu'il n'a pas pu se défaire des griffes de M. Pierre Dufour. Je m'étonne de cette situation qui va persévérer pendant des mois. Ce n'est pas simplement quelques jours, comme dans certains dossiers. Il y a une durée, une continuité. Il y a des jeux surprenants où, au cours d'une soirée, on amène une cassette pornographique. C'est vous dire si les interrogations sont présentes. Est-ce que ça vaut aussi pour Julien Donadieu ? Pour Julien Donadieu, il faut savoir que durant l'audience de la cour d'assises, les dépositions de ce jeune homme ont évolué. On est allé au-delà de la qualification pénale qui nous était annoncée par le ministère public et on a parlé d'une fellation qui n'avait jamais été mentionnée dans les procès-verbaux. Qui donc qualifierait les faits de viol. Voilà. Est-ce que la version de Donadieu était authentique et crédible ? Je suis allé, bien évidemment, sur ce terrain-là, concernant ce garçon. Daniel. Il y a, dans la procédure, des dépositions qui sont faites par d'autres SDF, qui expliquent que pour avoir de l'argent, eh bien, c'est très facile. Il suffit d'aller voir l'abbé Dufour, et on peut, contre certains gestes, lui faire baisser son pantalon et obtenir de l'argent. C'est un message qui est présent dans le milieu des gens défavorisés, dans le milieu des sans domicile fixe. On peut avoir un abri, on peut avoir de l'alcool et on peut avoir un lit pour la nuit. Au terme de 4 jours de procès, voici le réquisitoire. L'avocate générale demande 15 ans de réclusion criminelle. Au maximum, l'abbé Dufour risquait 20 ans. S'il avait eu une autre attitude peut-être à l'audience, peut-être mes réquisitions auraient-elles été différentes. S'il avait reconnu les actes en disant, en demandant peut-être pardon effectivement à Jérôme Martin, en montrant qu'il était capable d'évolution, ça donnait peut-être un petit peu d'espoir. En fin de soirée, après 3 heures de délibéré, la cour d'assises de Savoie rend son verdict. 15 ans de réclusion criminelle avec une peine incompressible des 2/3. Je pleure pas pour rien et c'est vrai que j'ai versé une larme à la fin du procès parce que c'était vraiment très dur et très soulageant, quoi. Et pour la première fois, libéré de sa honte et de sa culpabilité, l'abbé Jérôme Martin parle face aux caméras de télévision. Pierre Dufour, dès le début de son ministère et certainement même avant, a choisi le chemin de la mort et du malheur. Et que ce qu'on lui reproche, et ce que lui reprochent les victimes vraiment, c'est qu'il nous a entraînés aussi sur ce chemin de malheur et de mort. Et aujourd'hui, j'allais dire, moi, personnellement, je le vis comme une résurrection, comme un passage, vraiment. Pierre Dufour n'a pas fait appel de sa condamnation. Il restera donc en prison, au minimum, jusqu'à ses 80 ans. –
L'abbé Dufour purge sa peine et de tous les détenus, c'est un de ceux qui reçoit le plus de courriers et de visites, preuve que beaucoup de gens le soutiennent encore. Il occupe ses journées à prier, semble-t-il, et à étudier la liturgie. Il est toujours prêtre, mais l'Église lui a retiré le droit de célébrer la messe.